Hey! Ouais, je t'ai caché dessous. What's up, my boys, les gars, j'ai trop hâte. Putain, je l'ai encore mal mis aujourd'hui. Je me trompe à chaque fois comment bête mon casque. Fall Guys est enfin gratuit. Je viens de télécharger le jeu sur l'Epic Games. La manette est prête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? On va découvrir le nouveau pass de combat Fall Guys. La saison de Fall Guys, c'est la saison 1. Le jeu va être totalement différent vu que maintenant, il appartient à Epic Games. Il y a des nouvelles maps avec des mini-jeux extraordinaires. Un pass de combat, il paraît que dedans, t'as le skin Assassin's Creed, frérot. La première vidéo que j'ai faite sur Fall Guys, merci à vous. Vous avez tout pété les scores dessus. Deuxième détendance la vidéo alors que c'est du Fall Guys. Frérot, je pensais que j'allais faire du Fall Guys, frérot, personne n'allait regarder. Vous avez grave kiffé, ça fait trop plaisir, on continue la série. Aujourd'hui, première partie découverte du nouveau jeu de la saison 1. Deuxième partie, je vais me faire coach par un joueur pro. Un joueur pro qui a plus de 2800 top 1 sur Fall Guys, frérot. Il va me coacher, car vous savez, mon but ultime, frérot, c'est de faire le top 1 caliente. Une chaîne, il en a marre d'être un loup sur Fall Guys, ok? Je vous souhaite un très bon visionnage. Seuls ceux qui ont déjà joué à Fall Guys ont le droit de liker cette vidéo. Qu'est-ce que vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Oh my god, frérot, let's go! C'est un nouveau jeu, j'ai une hype. Oh non, faut téléchargement encore en cours. Je viens de faire la masse, tu me demandes encore un téléchargement. Ah, ok. On commence directement dans le jeu. Récompense du Legacy Pack. Ah, c'est quoi ça? Merci. Oh, j'ai des skins et tout, frère. Trop. Wouah. Mais ça, c'est le skin du pass de combat que j'ai déjà. Je vous ai pas dit, les gars. Si tu avais déjà acheté le jeu avant, t'as le pass de combat gratuit cette saison. Parce que, oui, les gars, je vous ai pas dit. Je suis monté niveau 50 en 2 jours sur l'ancienne saison. Profite d'une saison entière de contenu premium en cadeau. Oh là 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 là. Ah ouais, mec, là, tu sens Epic Games s'il a taffé sur le bail, tu vois. Alors, si t'achètes pas le pass de combat, t'as quand même des items gratuits. Tu vois, c'est marqué un petit peu. T'auras ça gratuit, t'auras ça gratuit. T'auras aussi des émissous. Alors, les émissous, c'est les V-Bucks du jeu. Et là, les cudos. C'est pour acheter des skins, mais c'est de l'argent que tu gagnes en faisant des parties. Si t'es intéressé par le pass de combat, c'est dans l'onglet boutique, tu descends tout en bas et c'est là où t'as les émissous. Et quand t'en prends, et la monnaie, les gars, on est d'accord qu'elle est ultra stylée. Tu peux rentrer le code de chaîne juste ici, bam, avant de confirmer la commande. C'est différent de Fortnite, ils ont caché le bouton. Donc le pass de combat, ça fonctionne en niveau. C'est-à-dire que quand t'es niveau 2, t'as ça, niveau 3, t'as ça, niveau 4, etc. Niveau 10, par exemple, t'as 200 cudos gratuits. Ah ouais. T'as un petit. Oh ouais, casse de derby, pas mal. T'as pas mal de choses gratuites dans le pass en vrai, hein. Sympa. T'as même des danses hein, dans Fall Guys, hein. Oh, niveau 89, niveau 96, oh, oh, niveau 99. Alors celui-là, par contre, tu vois, pour l'avoir, il est pas gratuit, il faut payer. Ok, ça monte jusqu'au niveau 100. Donc ça, c'est ce que tu débloques par niveau. Et ensuite, après, t'as un autre pass de combat. Regardez si j'ai pu avec la gâchette. Bam, ça, c'est les niveaux de tes couronnes. Oh, moi, ça a gardé mes niveaux de couronne de la saison précédente. Oh, ça fait plaisir. Je suis déjà niveau 10 en termes de couronne. Là, par exemple, pour vous montrer, si tu veux avoir la poule dorée, il faut que t'aies 969 couronnes. En fait, pour avoir les couronnes, soit tu fais top 1, t'as instant une couronne, mais tu peux en débloquer en ayant un petit peu cet petit item là que tu vois. Et ça, t'en débloques en fonction de tes classements dans les parties. Oh, il faut avoir 3500 couronnes pour avoir le dragon doré, frérot. Mec, c'est énorme. On va voir avec le joueur pro tout à l'heure combien il a de couronnes, lui. C'est pareil pour les défis maintenant, c'est un petit peu comme Fortnite. Défis quotidiens, hebdomadaires et marathon. Ah, les marathons. Mais ça te permet d'avoir des couronnes, en fait. Et dans les émissions, eux, les parties, ça s'appelle émissions. Des émissions personnalisées. C'est-à-dire qu'on peut... J'ai les parties perso, les gars. On va pouvoir faire des pépés. Et ensuite, après, on a émission solo. Tu peux jouer soit tout seul, en duo, en trio, en section, avec tes amis. Si tu gagnes, tu gagnes une couronne. Émission spéciale de groupe. Si tu l'emportes, tu gagnes 20 fragments de couronne. Émission duo, ben ça, c'est spécial duo. Et émission star du stade, c'est les nouveaux mini-jeux. C'est ce qu'on va faire. J'ai trop hâte. Mais avant ça, on va accueillir notre joueur pro. Si c'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner. Car vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et à pas forcément être abonné. Il faut que la chaîne gaming, elle rattrape la chaîne principale, les refs, ok? C'est let's go! Yo mec, ça va quoi? Salut Kaiden HD, comment vas-tu? Écoute, ça va super mec, ça me fait plaisir. Mec, c'est quoi ton skin? C'est pas un skin de pro? Ouais, c'est le skin Twitch. En fait, si tu veux, j'ai participé au Twitch Rivals. Et genre, quand tu participes au Twitch Rivals, ils te donnent ce skin à la fin. Il faut savoir que je les ai gagnés en plus, tu vois. Franchement, GG. Ravi de te rencontrer, frérot. Kaiden HD, streamer sur Twitch, essentiellement du Fall Guys en tout cas en ce moment. T'as combien de top 1? Juste comme ça. Bon, j'ai 2934 couronnes là. Ok, j'en ai pas. Le but c'est que t'en ailles. Le but là, on va jouer à la nouvelle saison sur les nouvelles maps, etc. Et il va me coacher. Ouais. Il va m'expliquer les meilleures routes à faire, les glitches et les passages secrets pour aller plus vite. T'es choqué, Aiden? Mais mec, ils sont même pas prêts. Ils sont pas prêts. Et en plus, il paraît, les gars, il joue à une seule main. Pas besoin des deux mains. C'est parti, Aiden. Let's go. Les gars, let's go, s'il mec. Fait pas top 1, vous allez pas voir sa chaîne Twitch, ok? Il doit faire top 1, ouais, sinon. Il est pas. Oh my god, let's go. Est-ce que je jouerai à une main? Alors, est-ce que tu veux que je joue à une main? Non, mais t'es un ouf, attends, on joue en duo. Toi et moi, là, il faut qu'on fasse le meilleur score. Attends, j'ai déjà ma manette qui est pas allumée, tu vois, attends, je joue au clavier, là, ça va pas du tout. Donc ça, les amis, c'est une nouvelle map spécialement de la saison 1, depuis que le jeu, maintenant, est disponible gratuitement. Oh, je vais trop vite! Oh, je vais trop vite! Ah, ok, tu rentres dans les cercles, tu vas plus vite! Exactement, ouais. Alors, en fait, les cercles, c'est ce qui te fait accélérer. Et là tu vois, j'ai mal démarré, mais je finis quand même deuxième, ça va, c'est chill. Quoi? T'es déjà arrivé? Ouais, bien, mais j'ai pris les boosters, en fait. Ah, ok.
suis arrivé. Ah bon, là, tu sais comment on joue cette map ou pas? Ouais, je connais ça. Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette carte. Et en fait, c'est juste, il y a des fruits qui tombent. Et après, sur les écrans, ça dit quel fruit c'était, qu'il y en avait trois. Et puis, en fait, c'est là que tu dois aller sur la bonne case, en fait. Là, il y a trois marrons et deux verts. Moi, je suis avec les couleurs, je sais pas avec les noms des fruits. On fait tous pareil, ouais. Et puis là, tu regardes devant l'écran, là-bas. Et là, il te demande deux quoi. Bah, tu vas sur deux verts, là. Et puis après, tu vois, par exemple, tu vois, lui, là, il est trop passif, tu vois. Bah tu le fais tomber, tu vois. Comment t'as fait ça? What? Bah tu le grabes en fait, tu le grabes et tu le pousses. Ah ouais, y'a des gens ils sont passifs. Donc là je peux les faire tomber au dernier moment par exemple. C'était deux violets hein. Non. Ouais. Oui. Mec je t'écoute hein. On a trop parlé, mais on a trop parlé. Et là tu vois ils sont tous en rose bleu là. Ça c'est tout des nouveaux joueurs tu vois. Ah oui d'accord. Alors là je t'explique ce qu'il faut faire maintenant. Ok. Tu vois tu vas sur le petit booster à droite là. Ouais. En fait ça va te boost et après tu vas essayer de sauter sur les choses. Ouais, je suis trop vite. Tu vois, il faut que tu fasses des gauche-droite avec ton joystick pour que ça saute au bon endroit, tu vois. Et si tu bombardes, là vraiment je suis en bombarde de ouf, là. Bah si tu bombardes bien, bah c'est sûr que tu fais top 1, tu vois. C'est ultra simple, mais de nouveau, c'est simple si t'as l'habitude, tu vois, de jouer au jeu. T'as l'habitude, c'est chaud, tu vois. Oh là, je suis un truc de ouf, là. J'ai déjà fini, c'est la deuxième fois que je fais la map, tu vois. T'as fait premier, là. Ok. Je suis derrière toi, mec, regarde. Mais t'es mec, t'es deuxième. Je suis deuxième, let's go. Alors là, tu vois, on doit ramasser les anneaux. Ah ouais, mais c'est là, j'arrive pas. Il y a un petit trick où tu peux sauter sur le milieu, tu peux rebondir sur le truc du milieu, là, tu vois, comme ça. Et puis tu peux monter, tu vois. Tu vois, hop. Là il y a un cerceau là. Oh là 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 là. C'est quoi, vas-y, reste là, je vais te le pousser. Reste là, vas-y. Je vais bloquer le mec là. Je l'ai. Let's go. Je l'ai. Ah là, je connais la technique là. Il y a pas une technique pour il aller faut au plus sauter haut au dernier moment, ouais. En fait, il faut sauter avant que ça lève, tu sautes. Oh, je suis mec, je l'ai fait instant. Genre tombe exprès. Je tombe exprès, vas-y. Donc là, tu vas du côté gauche ou droit et en fait, ce que tu fais, c'est que tu dashes au moment où tu touches le bumper un tout petit peu après pour cancel ta hauteur. Vas-y, descends là. Et comme ça en fait, ça te fait prendre de la vitesse. C'est ça la méga. Par contre, va falloir quand même finir. Hein. Ouais, là tu dashes trop tôt au presse. Ah, j'ai compris. Voilà, comme ça. Voilà, ok, là, je l'ai fait. Plus ou moins, tu vois. Maintenant, tu feras ça à chaque fois et tu verras, tu vas être l'un des meilleurs joueurs Fall Guys sur cette map. Dash rapidement, quoi. Ok. Après, là, c'est de la duo, les mecs, ok. Il m'aide. Ensuite, après, on va passer en solo. Il va pas m'aider. Oh, punaise, mec, il reste plus grand monde. Ah, là, c'est Hexagone. Hexagone en duo. Hexagone, c'est quoi ta technique? Tu sautes dash. Hein. Je vais te montrer, Rada. Tu te mets sur la case, tu sautes, tu dash. Et en fait, mais ça, c'est quand t'es tout seul et qu'il y a personne pour te déranger. Sinon, tu peux pas juste sauter et attendre un peu sur la case, genre? Bah, en fait, ce que je fais, c'est que. Ouais, tu peux aussi. Mais c'est mieux de sauter dash parce que tu perds un peu plus de temps encore. Ouh, mec, ça va? Mec, je suis dernière hauteur là. Oh là 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 là. T'inquiète mec, survie. Moi je fais mon petit hexagone à une main mon ref. Tranquille hein, vraiment on s'amuse. Oh non. Oh non, je vais mourir. Non, je suis mort. Mais t'es tellement haut encore. Attends, je vais comme jouer à deux mains là parce que je vais commencer à galérer là. Je vais devoir faire un saut parfait là. Oh, what? Non, il est pas parfait celui-là. Il a l'air d'être chaud le gars là. Je débrouille. Putain mais tu stresses pas alors qu'il y a que des trous. Oh le bleu là-bas frère. Il avait tellement dommage. T'as win. Bien joué. J'ai joué un moment à une main, j'avoue, d'un moment j'ai dû reprendre les deux là parce que c'était chaud. Vainqueur, mec, c'est la première fois que je me vois ici, frérot. Alors, malheureusement, en duo, on gagne pas de couronne, on gagne, comme il a dit, des fragments de couronne. Oh, un fragment de débloquer une couronne. Bon, alors c'est là, mec, faut être sur le timing, tu vois. Faut respecter les timings et faire attention à la fin, c'est ça le problème. Let's go. Alors là, par contre, on est en solo, mec. Ah, on est en solo. Attention. Ok, vas-y, faut que je te win. Hop là, aise. Je suis premier là en fait. Ouf. Ah non, c'est toi le premier là. Mais mec, t'as cru que t'allais faire premier, mais... J'ai fait quatrième. Mec, t'es prêt ou pas? Je vais te donner une strat. Tu vas être le meilleur joueur de cette map. Oublie la map, oublie tout ce que t'as appris. Là, normalement, il faut prendre les dorés. En fait, tu vois, à la fin, là, juste là-haut, là-bas, il y a un doré à la fin. Et bah, tu vas juste sauter trois fois dans celui-là. Donc, tu passes pas au milieu, tu vois. Tu vas sur le côté gauche, là, comme ah, là. Ah ouais. Et là, tu descends, tu bombardes. T'as même pas besoin de sauter, tu descends juste, sauf si le mec te bloque, évidemment, mais tu descends juste. Ok, et tu tournes. Ici, tu sautes là, et tu dashes, et tu prends le doré. Ah, je me suis loupé. Et je te jure que tu vas te qualifier. Tu vas prendre trois fois le doré, tu vas gagner. Non, mec, j'ai pas loupé le doré à la fin, j'arrive pas à le prendre. Mais bien sûr que si, va tranquille. Là, hop. Ouais, je l'ai une fois. Ah ouais, c'est ça la technique, tu passes pas au milieu. Ouais, ça c'est une bonne technique. Mais non, mais frère. Sur des lobbies de gens pas très forts, tu peux te le permettre. Mec, tu as 12 sur 15, frère. Non. Ah non. Qualifie-toi par contre, s'il te plaît. Ouais, je vais me qualifier. Hop là. Regarde.
Let's go, let's go. C'est quoi la technique sur celui-là? Alors, tu veux un truc simple. Suis la barre verte comme ça. Tu fais juste ça, tu suis tranquille la barre verte. Ah, ok, d'accord. Et okay, en fait, ils vont tous tomber avant toi. Mais toi, tu la suis vite la barre verte. Ouais, mais parce que je suis à l'intérieur en fait. Par contre, fais attention, hein, parce que si t'es à l'intérieur et qu'un mec te grabe, tu tombes. Et quand la barre s'approche de toi, tu fais juste demi-tour, tu sautes et tu resuis la barre verte. Ah ouais, ok, je viens de le faire. Et là, par exemple, tu fais déjà demi-tour et tu suis la barre rose. Puis tu fais juste un petit saut en arrière, tu vois. Est-ce que tu peux quelqu'un m'aggrappe. Non. Oh, t'es le dernier éliminé. Quelqu'un m'aggrappe. Vas-y, mes frères. J'espère vous kiffez Fall Guys, les amis. N'oubliez pas, le jeu est gratuit, dispo sur Switch. Et en fait, ce que je kiffe maintenant, c'est qu'il y a des défis. Il y a vraiment un pass de combat ultra complet. C'est ouais, le jeu est pas vide en fait. Il y a tellement de choses à faire. Et surtout avec le créatif qui arrive. Le créatif, ça va être incroyable. Et est-ce que si on est en contrat à la fin, tu me laisses la couronne? Attends, t'es en train de me dire que c'est comme ça que tu veux gagner, mec? Non, 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 mais non, mais non, mais non. Je voulais te dire, t'as pas intérêt à me la laisser. Bah non, mais non. Ok, ouais, j'ai eu un buxon là. Ah, punaise, hexagone les mecs. Alors en gros là, il faut que tu fasses une zone et après tu sautes tranquille. Et si je descends tout en bas et je casse tout le bleu comme ça, quand vous tombez instant. C'est éclaté. Ok, éclaté. Ok, je me fais une petite zone là. Pff, là ça passe, c'est un peu compliqué de me faire une zone, je vais pas te mentir. Au début c'est chaud, tu vois, parce qu'il y a tout le monde et tout, mais dès que les mecs commencent à tomber, bah là tu peux commencer, tu vois. Là je suis déjà en train de regarder où sont les mecs, je prépare les zones. Je me fais une petite zone là, hop là, la zone je vais la cutter là, là comme ça la zone là. Et là c'est à moi ça, tout ça c'est à moi. Tu sais quoi, je vais... Oh non, y'a un mec sur ma zone. Oh mince. Oh. 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 Oh là 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 là. Le niveau du joueur français. Et le niveau. Ah ouais là, je temporise là mec, temporisation. Oh mec, j'ai fait quatrième. Attends, c'est quoi, je vais péter ce gars là? Quoi? Mais mec, il avait plus de cases, c'est un menteur lui. Oula, t'étais un bon joueur en face là, t'as un loup là devant et il prend beaucoup de cases hein. Oula là là, oh il est tombé. Oh là là, bien joué. J'ai trop la haine. Je vais t'expliquer comment jouer sur cette map. Il faut arrêter de se doucher. Mec, on est des gamers ici. T'as cru que tu me douchais, frérot? Deux jours, j'ai pas pris de douche, mec. Bah alors mec, tu sens bon sans prendre de douche, gros, c'est un truc de ouf. Deux jours encore, ça va, tu vois. Attends, lui il est mort là, attends. Déjà un là. Ah c'est toi, ok. Ah oh, merde, excuse-moi. S'il vous plaît, c'est mes boules là. Oula. Pardon, je vais m'excuser là. Oh, faut pas que je te chope toi. Ouais, j'avoue. Oh non, je suis mort. Oh gros. Vas-y, mec, c'est ton moment. Sur time, mec. Ok. En fait, tu peux te suicider sur les gens avec. Normalement, tu voles pas trop haut. Genre là, tu grabes et maintenant tu la gardes et tu... Non, garde. Oh mec, tu l'as détruit, mec. Non! Mais je suis tombé, mais j'étais trop focus boule! Oh, le 1v1 était possible, hein! Mais non, vas-y, mais frère! J'ai trollé. Merci Kaiden pour toutes ces informations. J'ai fait top 2 quand même. Top 2, mec, ultra propre, franchement, j'y ai cru, hein. Et tu me donnes quoi comme niveau? Ça fait 3 jours que je joue, comment tu me trouves? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, si tu fais les finales, c'est là que tu vas beaucoup progresser parce que plus tu fais de finales, plus tu deviens fort. GG à Kaiden en tout cas pour toutes tes informations, d'avoir joué avec une seule main. Il a fait top 1, les amis. Donc il y a sa chaîne Twitch en description. Il est en live. Pétez-lui tous les amis et regardez surtout comment il joue si tu veux t'améliorer. Merci mec, merci. J'espère frérot. Prochaine vidéo les gars, je fais top 1, d'accord? Pensez au pouce bleu les gars, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Grave plaisir. Ciao bye. Fixez-vous.